Bonjour. Alors aujourd'hui, une pratique qui a été concoctée par Claude Maréchal, qui est un de mes formateurs, et elle s'adapte particulièrement à la période que nous vivons, qui est quelque peu chaotique. C'est une pratique destinée à stimuler votre feu digestif, pratique donc qui va stimuler l'immunité également. Elle peut se réaliser le matin, à jeun, avant le petit déjeuner, ou le soir, avant le dîner également. Il va être question de rétraction abdominale, la posture du puits. Voilà, je vais essayer de faire honneur à cette pratique et de vous la guider le mieux possible. Donc on s'installe en position de relaxation. Vous pouvez utiliser le petit coussin sous la tête si ça vous permet d'avoir la colonne vertébrale bien alignée. N'hésitez pas à réajuster votre posture. Vous allez retrouver le contact avec votre respiration. Vos yeux sont fermés. Vous respirez avec le nez uniquement. Laissez vos pieds tomber sur l'extérieur des jambes. Relâchez tous vos muscles. Relâchez les mains. Déposez les épaules dans le sol. Relâchez les muscles du visage. Desserrez les mâchoires. Décollez la langue du palais. Décontractez tous les petits muscles sur vos joues, sur votre front, entre les sourcils. Détendez-vous le plus possible et abandonnez-vous sur le tapis. Prenez quelques instants pour respirer, pour vous relâcher, pour pouvoir focaliser votre attention uniquement sur vous, votre souffle, vos sensations, votre ressenti. Tournez toute votre attention vers l'intérieur. Observez votre corps de l'intérieur. Observez le passage de l'air dans le nez, puis l'arrière de la gorge. Comment votre ventre se gonfle, comment la cage thoracique se soulève. Puis à l'expiration, observez comment la cage thoracique puis le ventre se dégonflent. Et sentez de nouveau le passage de l'air dans le nez. L'air un peu plus chaud, réchauffé par le cycle respiratoire. Faites encore quelques respirations calmes. Et maintenez votre attention uniquement tournée sur l'observation de votre souffle et de votre corps. Nous allons maintenant enchaîner avec la deuxième posture. Vous allez garder les yeux fermés.
et vous resterez allongé. À l'inspiration, les bras s'élèvent et les paumes de main viennent se toucher face à face. Marque une petite pause, poumon plein. Expire sur place, calmement. Marque une petite pause, poumon vide, dans cette position. À l'inspiration suivante, les bras descendent de chaque côté du corps. Perpendiculaire, expire sur place, inspire sur place, en marquant à chaque fois une pause, poumon plein et poumon vide. À l'expiration suivante, les bras viennent se retrouver au-dessus de la tête. À l'inspiration, le bras gauche descend à l'arrière de la tête et se pose, si c'est possible. Expire sur place, inspire sur place, et à l'expiration, le bras revient retrouver la main droite. À l'inspiration suivante, le bras droit descend au-dessus de la tête, se dépose, expire sur place, petite pause, poumon vide, inspire sur place, petite pause, poumon plein, à l'expiration. Les deux bras s'élèvent, inspire sur place, tu peux relâcher les jambes et à l'expiration, les deux bras reviennent en position de relaxation. On s'abandonne complètement dans le tapis, puis les bras reviennent proches du buste, les deux pieds se rejoignent, jambes tendues. Inspire, lève les bras, expire sur place. Inspire, ouvre les deux bras, paume de main contre le sol, abandonne les épaules, relâche tout. Expire, inspire sur place. À l'expiration, les bras reviennent au-dessus de la tête. Inspiration suivante, le bras gauche descend à l'arrière de la tête. Expire, inspire sur place. À l'expiration, le bras remonte. À l'inspiration suivante, le bras droit descend. Pause respiratoire, expire sur place. Petite pause, poumon vide, inspire sur place, petite pause, poumon plein, et à l'expiration, le bras remonte. Inspire sur place, relâche les jambes, expire, abaisse les bras, retrouve la position de relaxation. Autorisez-vous une respiration complète dans la position de relaxation. Je vous laisse refaire 4 fois cet enchaînement. Sentez que vous pouvez allonger votre souffle, que les pauses respiratoires, poumons pleins et poumons vides s'installent facilement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ne pas le faire.
et veillez à bien relâcher les bras, les épaules. Sentez l'ouverture de la cage thoracique. Observez comment la respiration s'installe selon l'évolution de l'enchaînement. Sentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et observez, pendant les moments de pause, votre corps y est. Nous allons enchaîner avec la posture du puits qui consiste en une rétraction abdominale. Donc vous rapprochez vos pieds des fessiers, les jambes sont fléchies. Vous venez poser vos pieds assez près des fesses. Si vous avez besoin d'un coussin pour redresser la tête et avoir le menton qui vient légèrement en direction du sternum, faites-le, c'est-à-dire vous pouvez positionner, voilà, un appui pour avoir la tête légèrement relevée. Moi, je vais le faire sans oreiller, mais en veillant à bien ramener mon menton. Les épaules sont basses. Il va s'agir donc de faire une rétraction abdominale en fin d'expiration. Donc lorsque les poumons seront vides, dans cette position, vous allez donc respirer calmement mais amplement sur une expiration. Vous laissez donc le souffle sortir et pendant le temps de votre pause poumon vide, vous allez dans un premier temps contracter le périnée et donc contracter le muscle qui vous permet de rétracter l'anus à l'intérieur de vous et ensuite rentrer le ventre comme si vous veniez absorber votre ventre pour le passer sous les côtes en l'écrasant en direction du sol. Ensuite, expire calmement. En fin d'expiration, contracte le périnée, aspire le ventre. Puis laisse revenir le ventre et seulement ensuite inspire. Vous ferez ça avec beaucoup de douceur. Vous le ferez 4 fois. Et ensuite, vous ramènerez vos genoux au-dessus du ventre en posant délicatement vos mains sur les genoux. À l'expiration, vous laissez les genoux revenir très doucement vers le buste. Et à l'inspiration, les genoux s'éloignent et les bras se tendent. Faites ce mouvement avec douceur. Et continuez à respirer toujours par le nez. Vous le ferez 6 fois, puis vous reprendrez la posture du puits en reposant vos pieds et cette fois-ci vous allez éloigner les pieds des fesses. Prenez le temps de faire quelques respirations sur place en marquant les pauses poumon plein et poumon vide et quand vous êtes prêt à la fin d'une expiration, installez
la rétraction abdominale avec la contraction conjointe du périnée. Et vous le ferez 4 fois également. Gardez le visage relâché, les bras et les mains relâchés. Puis de nouveau, après vos 4 fois, reprenez la posture de compensation qui s'appelle Apanasana. Toujours avec beaucoup de douceur. En restant très à l'intérieur de vous, et on reprendra une dernière fois la rétraction abdominale, mais cette fois-ci en position allongée, dans la mesure où ça reste confortable pour vous. N'hésitez pas à adapter la position. Vous le ferez également 4 fois en position allongée ou dans la position de votre choix. Tout ça avec douceur, sans blocage, sans à-coups. Restez vraiment dans quelque chose de fluide et doux. Vous avez terminé vos 4 fois, reprenez Apanasana de nouveau pour 6 fois. Ensuite, vous vous allongerez pour une relaxation finale. Étendu sur le dos, la tête très légèrement surélevée, posée sur votre petit coussin si besoin. Suivez les indications qui vous seront données et qui comprennent une observation du corps à partir de ses contacts avec le sol. Et ensuite, une observation de l'intérieur du corps lui-même. Les yeux restent fermés pendant toute la durée de la pratique. Avant de commencer l'observation du corps, placez-vous dans les conditions idéales. Réajustez votre posture si besoin. Soyez à l'aise. Laissez bien tomber la pointe des pieds vers l'extérieur. Relâchez le visage, particulièrement la mâchoire inférieure. Et relâchez les mains posées le long du corps. Observez tout d'abord les deux talons qui sont en contact avec le sol et la plante des deux pieds qui, eux, sont libres. Ensuite, à partir du talon gauche, remontez tranquillement vers le corps en observant les contacts du membre inférieur gauche avec le sol.
Portez maintenant votre attention sur le talon droit et remontez également le long de la jambe vers le corps en observant le contact du membre inférieur droit avec le sol. Ensuite, observez le contact de votre bassin sur le tapis, en le considérant comme un socle, un point d'appui. Respirez paisiblement mais consciemment. Lorsque vous inspirez, posez votre attention sur le point de départ au niveau de votre corps. Ensuite, pendant l'expiration, laissez cette attention s'écouler comme cela vous est indiqué. Portez votre attention maintenant sur la main gauche et remontez tranquillement jusqu'à l'épaule. Faites de même à partir de la main droite, en remontant jusqu'à l'épaule droite. Observez le contact du haut de votre dos avec le sol, en considérant qu'il s'agit également d'un socle, un point d'appui au sol. Laissez votre attention glisser sous la nuque et venir dans la région occipitale, au niveau du point d'appui de l'arrière de la tête. Ceci est le dernier socle. Déplacez maintenant votre attention vers le sommet du crâne et imaginez en ce lieu une ouverture qui va vous permettre de pénétrer mentalement à l'intérieur de votre corps. C'est ici que commence la deuxième phase de la relaxation. Celle-ci doit être considérée comme une série d'offrandes qui consiste à abandonner paisiblement et tranquillement l'ensemble des activités qui se font quotidiennement. J'entre dans mon cerveau et je fais l'offrande de toutes mes pensées. Que celles-ci deviennent paisibles, marquées par le discernement et une attention respectueuse tournée vers le monde extérieur. Je laisse mon attention glisser vers la ligne des yeux et des oreilles et j'offre tranquillement tout ce que j'entends, tout ce que j'écoute, tout ce que je vois et que je regarde afin que ces activités soient ajustées et paisibles. Je descends jusque dans la bouche et j'offre la parole, que cette activité soit également respectueuse et paisible. Mon attention descend dans la gorge et je fais l'offrande de tout ce qui pénètre, solide et liquide, dans mon corps pour le maintenir en vie. Doucement, mon attention glisse vers le haut de la poitrine et j'offre le « moi je suis ». Il est important ici que ce soit une vraie offrande, un abandon total, extrêmement paisible, humble et généreux à la fois. Mon attention descend ensuite jusqu'à la région ombilicale et j'offre tout l'intérieur de mon corps, son aspect solide, liquide, sa chaleur vivante et toute son animation. Tout ce corps bien vivant, actif, organisé. Enfin, je pose délicatement l'extrémité de mes doigts, index et majeur, sur la pointe de mon sternum. J'offre le plus profond de moi-même et je prolonge ce moment pendant 1 ou 2 minutes.
C'est ici que la relaxation se termine, dans un climat de paix et de bien-être. Vous pourrez laisser l'envie de bouger, d'ouvrir les yeux, remonter tranquillement. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez de nouveau reprendre l'activité de votre journée. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, cette posture de rétraction abdominale, vous allez voir, elle stimule vraiment le feu digestif et donc la vitalité. Et c'est la raison pour laquelle on la préconise le matin, à jeun. Cette pratique, vous pouvez également la faire le soir avant le dîner. Mais si vous la pratiquez le soir, vous ne ferez pas la rétraction abdominale qui pourrait éventuellement vous empêcher de dormir.